Bonjour à tous, vous êtes sur DMTV Sport, la chaîne YouTube dédiée totalement au sport pour la République démocratique du Congo essentiellement, le sport en général. Mais aujourd'hui, nous allons parler particulièrement du football. Nous sommes le vendredi 28 février et un événement nous attend ce soir. Il s'agit de la rencontre qui va opposer le tout puissant Mazembe contre le Raja Club Casablanca dans le cadre des quarts de finale de la Champions League africaine. C'est le match aller et le tout puissant Mazembe qui se joue déjà au Maroc va affronter tout à l'heure, donc dans la soirée, le Raja Club de Casablanca. Un match qui a son importance, d'autant plus que c'est un match à élimination directe. Après la phase des poules, vous vous rappellerez certainement que nous avions deux clubs qui représentaient la République démocratique du Congo en Champions League et un club en compétition de la CAF. Mais malheureusement, l'ASV Club avait été sorti de son groupe avec 4 points, 4e, donc bon dernier de son groupe, avait donc été éliminé. Et en compétition de la CAF, le dernier club monté en CMB qui avait terminé 3e avait également été éliminé. Il a terminé 3e avec 10 points. Donc, la République démocratique du Congo ne reste qu'avec un seul représentant qui est le tout-puissant Mazembe et qui a atteint le niveau des quarts de finale. Mazembe a été premier de son groupe et lors de cette phase des groupes, Mazembe n'a connu aucune défaite. Son parcours était un parcours quasi parfait. Et donc, Mazembe, fort du fait d'être premier de son groupe, lui permet en quart de finale de jouer son match retour à la maison. Vous savez, beaucoup de clubs aiment à jouer le match retour à la maison pour, semble-t-il, maximiser les chances. Mais en football moderne aujourd'hui, les histoires de terrain comme telles n'existent vraiment plus. Il faut être prêt pour les deux confrontations à élimination directe. Donc, le tout puissant Mazembe qui va affronter le Raja Club Casablanca, un club aussi bien réputé en Afrique et très bien connu, un club très bien organisé qui a en son sein deux Congolais. Nous avons Fabrice Ngoma, un ancien de l'ASV Club, mais aussi et surtout Ben Malango, un ancien du tout-puissant Mazembe. Nous allons donc avoir là des retrouvailles entre un ancien joueur et son ancien club, mais des retrouvailles qui se feront peut-être dans un climat de méfiance parce que le joueur était parti sans le consentement de son ancien club. Vous vous rappellerez des péripéties du transfert de Ben Malango qui est allé vers Raja Casablanca comme un joueur libre plutôt qu'un joueur engagé avec le tout-puissant Mazembe. Donc le tout-puissant Mazembe avait porté aussi l'affaire auprès des instances compétente afin d'entrer dans ce droit. Et donc, il avait été en ce moment-là interdit un peu comme Messac à Ben Malango de pouvoir jouer. Et ce dernier, qui ne s'était pas laissé faire avec ses agents, avait saisi la FIFA. La FIFA lui a permis en tout cas de jouer provisoirement en attendant qu'une décision finale soit trouvé par rapport à son litige qu'il oppose avec son ancien club, le tout puissant Mazembe. Donc voilà un peu dans quelles circonstances ce match va se jouer. Donc Ben Malango, qui nous le ferons, sera parti du voyage parce que nous avons eu écho comme quoi il craindrait par rapport à sa sécurité et qu'il aurait même saisi les instances supérieur du football pour qu'il soit protégé. Et donc, Ben Malango craint peut-être les supporters du tout-puissant Mazembe, peut-être que lui-même sait qu'il les a blessés par la manière
dont il s'est retrouvé au Maroc avec Raja Casablanca. C'est aussi l'un des buteurs de Raja Casablanca. Il ne manque pas d'occasion de pouvoir faire parler de lui en marquant des buts. Donc ce sera là un match vraiment que nous allons suivre. Mais dans un premier temps, au lieu de parler encore du match retour qui va intervenir au mois de mars, si je ne me trompe pas, autour du 7 mars, pour le match aller, au moins, nous allons voir Ben Malango prester. Et ce serait très intéressant de pouvoir voir d'un côté Ben Malango et de l'autre côté Jackson Muleka, parce que n'oubliez pas, au départ de Ben Malango, le joueur qu'il avait remplacé, c'était Jackson Muleka. Déjà, Jackson Muleka, pendant que Ben Malango était là, était de temps en temps utilisé et parfois ils jouaient ensemble. Donc aujourd'hui, l'avant-centre attitré du tout-puissant Mazembe, c'est Jackson Muleka, et ce n'est pas un joueur de moindre, d'autant qu'actuellement, à moins que nous nous trompions, mais actuellement, en Champions League, c'est Jackson Muleka qui doit être le meilleur buteur. Si ce n'est pas le meilleur buteur, ça doit être l'un des meilleurs buteurs, et ses prestations sont vraiment très très appréciées. C'est un bon joueur qui évolue, un très jeune joueur, mais il évolue très vite. Donc voilà, là nous avons un grand frère, Ben Malango, avec son petit frère dont la relève au tout puissant Mazembe. Donc nous allons voir ce duel là, un duel un peu à distance, du côté de la défense de Mazembe, Ben Malango positionné comme avant-centre de Raja, et du côté de la défense de Raja, Jackson Muleka positionné comme avant-centre. Ce sera très intéressant de voir ces deux joueurs, et nous espérons assister à un très très beau match ce soir, et que le meilleur en tout cas puisse l'emporter. Donc voilà un peu ce que nous avions voulu partager avec vous quelques heures avant le match entre le Raja Club Casablanca et le tout-puissant Mazembe, un match qui a son importance, je l'ai dit, car c'est une place en demi-finale de la Champions League africaine qui se disputera ce soir. Et voilà, donc nous sommes impatients en tout cas de vivre cette rencontre. Mais le tout-puissant Mazembe cette saison est très bien. Le tout-puissant Mazembe survole le championnat national en République démocratique du Congo, surclassa ainsi l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe. D'ailleurs, actuellement, le tout-puissant Mazembe compte 53 points et le club qui vient juste après lui, qui est deuxième, c'est Manyu avec 40 points. Donc, le tout-puissant Mazembe se comporte en Liverpool, en République démocratique du Congo. Ça marche plutôt bien, et nous avons dit en compétition africaine, le tout-puissant Mazembe aussi a un peu surclassé tous ses adversaires en phase de groupe. Le tout-puissant Mazembe sorti premier de son groupe, si nous ne nous trompons pas, avec 13 points. Et donc le tout-puissant Mazembe, qui n'a connu aucune défaite en phase de groupe, est très très en forme cette année. Mais il y aura certainement un absent, et un absent de taille, c'est Trésor Mputu, qui connaît en ce moment des problèmes avec son club. La situation devrait être quand même clarifiée, parce que nous n'arrivons pas à comprendre. Le tout-puissant Mazembe avait effectué un déplacement dans le cadre du championnat national vers à l'est du pays, au nord Kivu. Mputu Trésor n'était pas du voyage. Il y avait eu des explications de son entraîneur, mais visiblement les explications données par l'entraîneur n'étaient pas celles que Mputu Trésor lui-même, en passant dans les médias, aurait donné. Donc c'est compliqué. Nous espérons qu'il n'y a pas un problème trop grave entre le club et ce joueur, parce qu'il a encore tant à donner. C'est un joueur de talent, même si c'est vrai, il est au soir de sa carrière. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de joueur pour l'encadrement des jeunes qui sont là, des jeunes comme Jackson Muleka, qui serait amené à partir demain, remplacé par le jeune Béa, qui monte beaucoup, un avant-centre aussi, qui donne espoir, qui est d'ailleurs aussi sélectionné en équipe nationale A prime, l'équipe nationale des joueurs évoluant au pays. Donc voilà, très intéressant le match de tout à l'heure que nous allons suivre entre le Raja Club et le tout-puissant Mazembe. Mais pour DMC Sport, si nous pouvons pronostiquer au vu des forces en présence, BNTV Sport pourrait miser sur un match nul entre les deux clubs, mais un léger avantage quand même à Raja, car Raja joue
à domicile. Mais à domicile aussi, attention, le Raja n'est pas insurmontable. Donc nous allons voir Raja Club de Casablanca, comme le tout-puissant Mazembe est aussi finaliste de la Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire que là, nous nous retrouvons avec deux grands. Le Raja Club Casablanca a eu à jouer la finale de la Coupe du Monde des clubs qui est organisée au Maroc, justement chez lui-même. Et le tout-puissant Mazembe a eu aussi à avoir une médaille d'argent de la Coupe du Monde des clubs. On se rappellera de ce match avec une défaite 3-0 contre l'Inter de Milan de Samuel Eto'o à l'époque. Et donc nous avons là deux bons représentants du continent africain. Nous espérons que le match sera à la hauteur de leur niveau. Merci beaucoup BMTV Sport pour vous servir. BMTV Sport reviendra encore avec d'autres analyses, d'autres informations, d'autres réflexions. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne BMTV Sport, cliquez sur le bouton s'abonner pour que vous le soyez. Aussi sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos notifications lorsqu'on met une vidéo en ligne. BMTV Sport vous dit au revoir.